Donc la Ligue Pifo organise depuis 2009 les finalités des championnats de France. Aujourd'hui, maintenant, c'est la Ligue Île-de-France qui fait la suite. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était une compétition qui se déroulait sur plusieurs sites et en dehors de la région parisienne, ce qui rendait difficile l'accès aux familles et à l'ensemble des acteurs de cette compétition pour avoir un suivi vraiment intéressant. Et donc la fédération était revenue vers nous pour justement que ça soit recentralisé sur Paris et que comme ça. Donc il y a eu une première étape à Argueil-Malmaison, ensuite il y a eu ici les Moulineaux. Et ensuite donc, on a fini à Paris avec dans un premier temps Coubertin, puis maintenant depuis trois éditions, on est à la Halle Carpentier. C'est un tournoi qui rassemble les champions des territoires ultramarins, donc les Antilles avec la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane également, et sur l'océan Indien, la Réunion et Mayotte. Et ils sont toujours aussi invités la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, c'est toujours compliqué de les avoir. Ils étaient là au début, là maintenant, ça fait quelques années où malheureusement ils sont absents. Sur la semaine, les deux premiers jours, c'est une vingtaine de personnes, une vingtaine de bénévoles. Et le jeudi, on table sur 40 bénévoles et le samedi sur 55 bénévoles. Donc l'installation en elle-même, on la commence dès le vendredi avant la compétition. Donc vendredi, livraison de tout le matériel. Et le samedi, on commence vraiment l'installation à proprement dit de la Halle Carpentier qui nous est livrée nue, hein, finalement. Et donc il faut installer le gerflore, il faut installer toute la signalétique, tout l'habillage finalement de la salle. Donc ça demande le week-end avant de pouvoir démarrer la compétition dans les meilleures conditions le lundi. Donc le tournoi, dans un premier temps, le tournoi des ultramarins, qui se déroule maintenant sur deux jours, donc vraiment la phase de poule. Masculin et féminin qui enchaînent les matchs. Donc ça fait là, avec des poules de 5, ça fait des très grosses journées. Premier match à 8h45, dernier match à 20h. Hein, et tous les matchs s'enchaînent sans pause. À l'issue de ce tournoi, donc, il y a un classement qui est effectué. Et selon le classement, il y a les finales pour déterminer le champion de France ultramarin et le vice-champion, voire le troisième aussi du tournoi, qui permet après de donner un autre classement permettant de jouer les finales croisées contre les équipes métropolitaines. Le champion ultramarin féminin joue contre la N1 féminine, le vice-champion ultramarin féminin joue contre la N2 féminine et le troisième du tournoi ultramarin joue contre la N3 féminine. C'est pareil, sauf que le champion ultramarin joue contre la N2 masculine et le vice-champion ultramarin joue contre la N2 masculine. Alors, en termes de préparation, c'est un tournoi qui maintenant est assez bien rodé, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais ça nécessite quand même quelques mois d'organisation, les réservations, les commandes, toute la partie logistique qui se fait en amont. Et puis après, donc, la semaine en elle-même, avec une grosse participation des bénévoles, notamment sur les finales du jeudi et les finales du samedi, où là, on monte quasiment à 50 bénévoles, entre 40 et 50 bénévoles. Les postes sont variés. Donc l'avantage de cet événement, c'est que sur la phase de poule, donc le lundi et le mardi, les bénévoles peuvent toucher à tous les postes et donc voir là où ils se sentent le mieux. Et à partir du jeudi, lors des phases finales et du samedi, les postes sont bien prédéfinis et donc il y a des postes de sécurité. C'est le plus gros poste où il y a une vingtaine de bénévoles. Après, il y a le poste buvette avec entre 5 et 8 bénévoles. Il y a également des bénévoles pour l'accueil des équipes. Il y a des bénévoles pour la table de marque,
et après pour les serpillères aussi également sur le terrain. Et après, le reste des bénévoles, c'est dont moi, je tourne un peu partout. J'ai plusieurs bénévoles qui viennent en aide, qui remplacent pour faire des pauses à d'autres bénévoles. Donc pour eux, c'est vraiment un investissement complet, hein, puisque certains sont vraiment là du vendredi, donc là, c'était le vendredi 2, jusqu'au samedi 10, à minuit, voire plus. Donc il faut savoir en fait que cette organisation est partagée, hein, c'est une organisation Ligue Île-de-France de handball et Fédération française de handball sous l'égide de la COC, hein, la commission d'organisation des compétitions. Donc c'est un vrai travail de partenariat. En plus de ça, il y a aussi les services communication événementiel qui nous filent toujours un coup de main, notamment sur la réalisation de l'affiche et sur le prêt de divers matériels fédéraux. Donc voilà, c'est vraiment une organisation conjointe pour le coup. On a profité également de cet événement pour lancer la chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France de handball et avec un certain nombre de vidéos déjà mises en ligne du coup, avec des petits résumés en images des rencontres du tournoi et les réactions d'après-match. Ça nous permet, c'est toujours un petit plus. Chaque année, en fait, on essaye de construire, d'apporter un petit plus à cet événement et là, ça en fait partie. Je remercie Nicolas Hachette pour la confiance qu'il me donne depuis maintenant 7 ans, dont 5 ans en tant que responsable bénévole. Et je remercie bien sûr tous les bénévoles parce que sans eux, bah, rien n'est possible. Et je fais partie de ces bénévoles-là et vraiment, c'est une chance de les avoir et j'espère qu'on les reverra l'année prochaine. Nos remerciements vont bien évidemment à la ville de Paris qui nous met toujours à disposition ces installations, au personnel de la ville de Paris, mais également à la région Île-de-France qui nous subventionne de toute manière. On remercie également les partenaires fédéraux, notamment Lidl qui nous fournit l'eau pour toute la compétition. Donc ça nous fait quand même 29 matchs sur toute la semaine, donc beaucoup d'eau à transporter. Et sinon aussi, on remercie les partenaires équipementiers, on va dire, donc qui sont Centraland pour le côté fédéral, et puis nous, le vestiaire, donc Andexpert, qui est le fournisseur de la Ligue Île-de-France.